I would just like to introduce myself. My name is Karen Mackay, and I am the project management lead for the Africa Earth Observation Challenge, of which Digital Earth Africa is one of our key partners. So for those of you who don't know what the Africa Earth Observation Challenge is, it is an annual competition aimed at Africa's startups and entrepreneurs who utilize Earth observation data in their solutions, products, or services. Also, beyond Earth observation, we actually also include other digital space-based technologies. We include GNSS, we include the Internet of Things. So we've tried to broaden out the tools that are used in terms of innovating and using the satellite-based data for kind of sort of leveraging up and sort of making these projects stronger and better. So it's an annual competition that gets held from roundabout. I think this year we started in July. The deadline was scheduled for August, but you will be one of the first to know that there is going to actually be an extension. But essentially, we have an open call for submissions, and then we have a shortlist, and then we have a final pitch event, which is going to be held in Kenya this year at Kenya Innovation Week. And we fly the finalists who have made the shortlist, which is generally between 8 and 10 startups, to the pitch event where they are able to pitch. It's a competition, but it's really about capacity building. So the point is to build up that pool of young, innovative startups and entrepreneurs that are using this data in their solutions to help them get more market awareness, to link them up with others of our partners besides Digital Earth Africa, to get mentorship and business incubation as prizes. There's a cash prize, there's Amazon Web Service cloud storage. So there's a variety of prizes, but really it's, I think, largely to build up this space innovation ecosystem in Africa. There are some criteria that sort of like qualifying criteria. So for example, the tech readiness level needs to be 6 and above. So it needs to be more than just an idea, but that doesn't mean that we want to exclude anybody. So, you know, you might this year have a great idea and next year it might have been developed into an actual solution. So we really are also very interested in building up the pipeline of future startups and entrepreneurs using EO data. This masterclass is one of the first masterclasses that we're going to be hosting through the call for submissions period and even after the call for submissions period. We think it's very important that our partners, who are really like-minded organizations, are able to sort of roll up their sleeves with you guys and explain what their products and services and tools are about. Give you a deep dive into what they can do and how you could potentially use these. So you probably are very familiar with Digital Earth Africa, so I don't think I need to do much of an introduction there. Suffice to say that it is impacting thousands of people across Africa via government, academia, and the private sector, and really stepping up to meeting those big challenges that we do face in Africa and finding very innovative solutions using Earth observation data. So what I'm going to do is I will put the submission link in the chat if you would like to go and take a look at the submission process and also the Africa Earth Observation Challenge web address. I'm sure that Joseph will be giving you a lot of links to the Digital Earth Africa platform as well. And then the last thing I wanted to say was we will be holding a webinar, which will also be explaining how to go through the submission process. The form you'll see if you go and take a look at it is quite detailed.
there is quite a lot of information that is required. So we will have a webinar where people can come and ask questions about how to submit. We'll go through the submission form and the process, etc. So there will also be that available to potential submissions. So with that being said, very excited to have Joseph give the masterclass in French. Thank you, Joseph. Over to you. Thank you, Karine, and bonjour à tous. Et si j'essaie de me résumer un peu, c'était, elle disait que c'est une compétition qui vise à renforcer les capacités des gens qui œuvrent dans l'industrie spatiale. Et elle va partager le formulaire d'application avec plus de détails. Et nous visons tout le monde, surtout les débutants dans le domaine, mais aussi sur un petit paquet. Et chacun de nous puisse rejoindre la compétition. Alors, de notre côté, nous allons introduire Digital Earth Africa, mais je vais m'excuser, je vais arrêter la caméra pour permettre de gérer notre connexion Internet. Alors, ici, la présentation est tout à fait générique. On va parler de renforcement des capacités en technologie géospatiale, surtout. Et nous contribuons à rendre facilement accessible de l'observation de la Terre qui couvre tout le continent. Et nous avons toujours été fait partie de cette compétition, Africa Earth Observation Challenge, maintenant en 2024. Auparavant, on avait participé à d'autres. Bien sûr, comme vous le savez, Digital Africa est là pour traiter des données d'observation de la Terre et de rendre accessibles aux utilisateurs, que ce soit au monde scientifique, c'est-à-dire les académiciens, aussi les gens de société publique et privée. Et ainsi, nous contribuons à résoudre beaucoup de problèmes, que ce soit environnementaux, socio-économiques, auxquels notre continent fait face. Bien sûr, on a plusieurs thématiques, comme la sécurité alimentaire, les sous-anneaux et les gestion des risques qui sont liés, dégradation des terres, urbanisation, érosion côtière. Actuellement, nous avons, à partir de l'Afrique du Sud, sous RIS, et nous collaborons avec beaucoup de partenaires partout sur le continent, surtout l'Observatoire du Sahara et du Sahel en Tunisie, le Centre de suivi écologique au Sénégal, le Centre Climat au Niger, l'Agence spatiale sud-africaine en Afrique du Sud, le Centre SMD au Kenya, le Centre Afrigiste au Nigeria et d'autres partenaires qui nous permettent de développer des produits et services et bien sûr de les valider et aussi à la dissémination de nos services. Nos données et services sont hébergées au serveur Amazon Web Services, c'est en Afrique du Sud, et au Cap. Et on a plus de 4 pétaoctets de données déjà prêtes à analyse. Et on utilise l'approche Open Data Keep, c'est que vous pouvez vous connecter et passer l'analyse de votre zone d'étude. On a développé plusieurs services. Les géomaths sont des mosaïques sans nuages qui ont été dérivées des images Sentinel et des images Landsat. Sachant que les images Sentinel sont 10 mètres de résolution et qui sont toujours fournies gratuitement par l'Agence spatiale européenne, alors que les images Landsat sont 30 mètres de résolution et sont fournies par l'Agence américaine spatiale, USGS. On avait aussi développé la carte des temps d'écriture en collaboration avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS, et le Centre de suivi écologique et aussi le Centre Agrimet. Ça a été validé. Ça nous permet de suivre les espaces cultivés sur tout le continent. La couverture fractionnée qui nous permet de suivre les surfaces vertes sur le continent.
la climatologie individuelle qui nous permet de suivre et la culture. Les cultures et pas sur le continent. Les observations des eaux qui nous permettent de suivre la dynamique des eaux continentales. Le service Coastlines qui nous permet de suivre la dynamique des côtes. Et tout est gratuitement accessible. Et bien sûr, le renforcement des capacités est toujours là. Ça, c'est l'exemple des observations de l'eau depuis l'espace. Water observations from space. Ce produit est unique au niveau continental qui permet de suivre la dynamique des eaux sur le continent. Et bien sûr, ça nous permet à informer différentes décisions liées à la gestion des eaux à partir sur le continent. Parmi d'autres services pour contribuer à la sécurité alimentaire, on a développé un outil qui permet d'informer la gestion des cultures pour la sécurité alimentaire. Et bien sûr, on peut voir la dynamique, la verdure des plantes. C'est l'exemple du Burundi et l'autre exemple de l'Égypte. Et ou bien on peut comprendre la phénologie des cultures. Ici, on avait utilisé l'indice de végétation améliorée, Nest Vegetation Index. Et bien sûr, toujours, tout a été co-développé et avec nos partenaires partout sur le continent. Comme je vous le disais auparavant, on a le service Coastline qui permet de suivre l'évolution des côtes. Comme vous le savez, l'Afrique a plus de 60 km de côtes et puis on essaie de suivre s'il y a érosion ou accrétion. Ce produit a été développé, co-développé et validé avec le Centre de sciences écologiques et le Centre LCMRD du Kenya. Bien sûr, ça nous permet de voir des points chauds, analyser le taux de changement et bien sûr, on peut aussi essayer de voir quels sont les impacts. Ça, c'est l'exemple qui montre comment le service fonctionne. On va faire une petite démonstration d'ici peu de 2 minutes. Et bien sûr, on peut voir si les côtes avec couverture de végétation ou de mangrove, comme l'exemple de Mozambique, mais aussi si le littoral est couvert de sable. Récemment, on a lancé l'autre service qu'on appelle Water Bodies, qui nous permet de suivre l'évolution des plans d'eau sur le continent. On a identifié plus de 700 plans d'eau sur le continent. Et puis, le plus important est qu'on peut même essayer de voir des statistiques, évolution spatio-temporelle, mais aussi exporter les formats shapefile ou les formats polygones de chaque plan d'eau. Ah, bien sûr, on voit la série chronologique. On voit les changements au cours du temps. Et enfin, on peut voir, essayer d'en estimer les impacts et planifier en conséquence. On a contribué à différents cas d'application sur le continent. Il y en a qui portaient sur le suivi de la dynamique des côtes sur le continent africain. On a qui contribué au suivi de la végétation mangrove et d'autres écosystèmes marins et de la biodiversité, le suivi de la dynamique des eaux, le suivi de l'urbanisme et ainsi de suite. Et on sait bien sûr de contribuer aux objectifs de développement durable. Ça, c'est l'exemple du Kenya où la compréhension de la dynamique du lac Balingo a informé la gestion des girafes qui ont été délogées et logées à la fin des inondations. Le suivi des activités de développement, surtout des activités minières, et quel en est l'impact sur l'environnement,
surtout sur la végétation naturelle. On avait développé un cas d'application dans le réserve forestier d'Apamprama au Ghana. On avait vu que cet outil permet d'informer mieux l'exploitation minière sur le continent et surtout au Ghana. Bien sûr, suivi des eaux, c'est cet exemple de Rwakangami où le prof Kribogira avait essayé de comprendre la dynamique des eaux du lac Ngami, la dette Kavango, et elle avait remarqué que les mauvaises pratiques de gestion du bassin versant en étaient la cause, et elle a déjà passé au projet de restauration de ce bassin versant. Ah, bien sûr, ça c'est l'exemple qu'on disait en collaboration avec l'Université de Zanzibar. Ah, on a utilisé la plateforme de Diafrica pour informer la diminution de temps de végétation mangrove. Et on avait produit un documentaire en collaboration avec AWS et ça a été un succès. Maintenant, la végétation a été restaurée en collaboration avec les communautés locales. Ça, c'est aussi l'exemple de l'utilisation de notre plateforme de service Coastline pour suivre la dynamique des côtes dans les régions de KwaZulu-Natal, du Vieille Tugela, en Afrique du Sud. Toujours, nous comptons à renforcer la diversité et l'inclusion et les challenges, les compétitions pareilles ont été supportées par Digital Africa. Ça, c'est l'exemple de Youth Mappers où on avait une diversité d'applications où on avait que les gagnants étaient d'Ouganda. Selouan Tanzanie et Zambie. Et ils en ont reçu des prix et les projets ont eu plus d'impact. Mais aussi, on avait collaboré avec les femmes d'Afrique œuvrant dans le domaine SIC. Aussi, on avait lancé un challenge là. Voilà, c'est qui c'est Jokolata Omidi avait gagné, bien sûr, avec Netimba Mitali. Elles ont reçu le prix. Alors, on voit qu'il faudra toujours collaborer avec ce réseau à des femmes en industrie géospatiale et bien sûr, étendre notre réseau partout sur le continent. Toujours l'enfoncement des capacités. Ça, c'est Kenneth Mubeya au Kenya, avait participé dans des jeux de formation de Youth Mappers au Kenya. Alors, ici, on se demande, vous avez beaucoup de produits et services, mais comment les accéder? Alors, on a deux plateformes principales, les cas de The Africa et la Sandbox. Les cas de The Africa sont très facile à manier interactivement, alors que à travers la sandbox, vous pouvez passer aux analyses plus ou moins poussées avec des statistiques, des tracés, des graphiques, des tableaux et bien sûr produire des cartes. Mais vous pouvez aussi intégrer nos données avec des logiciels classiques à SIG comme ArcGIS, DESRI, ou bien QGIS. Bien sûr, nous avons notre plateforme de pensage en ligne. On a plusieurs cours que auxquels vous pouvez participer selon votre disponibilité. À la fin, vous recevez un certificat. Récemment, en collaboration avec ESRI, on avait rendu accessible nos données sur le géoportail africain. Si vous avez le sens qui est sur LEN, vous pouvez
vous connectez immédiatement et passez analyse ou bien intégrer à nos données avec d'autres données de plusieurs sources. Alors, comment sauriez-vous qu'une unité de données est existante ou manquante dans notre base de données? Il faudra utiliser l'exploiter de métadonnées. Et là, vous allez voir pour lutter légion, pour lutter de nos données, si vous pouvez accéder pour une légion donnée ou pas. Parce que vous savez, on a une grande couverture nuageuse en Afrique, surtout vers la région tropicale. Quelques scènes sont trop nuageuses pour faire partie de notre base de données. Alors, vous pouvez aussi utiliser les API pour vous connecter à notre base de données et en utilisant l'approche OGS. Bien sûr, on a les cartes d'Africa qui nous permettent d'accéder à nos données. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas de question. Je vais stopper ce que je présente maintenant et je vous montre ce que nous appelons la carte d'Africa. Je mets dans le chat le lien vers la carte d'Africa pour que tout le monde puisse faire juste un petit clic là-dessus et aller à travers. Alors, quand vous ouvrez la carte de D'Africa, quand vous ouvrez la carte de D'Africa, une interface pareille va apparaître. J'espère que ça va aller. Alors, vous allez avoir une interface pareille. Alors, vous pouvez changer de langue. Par défaut, c'est en anglais, mais on peut se changer en français. Alors, si vous allez explorer les données, vous allez avoir plusieurs thématiques. Les données sont groupées par les thématiques. On a des données sur l'agriculture qui parlent. On a la couverture et des zones cultivées. Alors, si vous voulez cliquer là-dessus, ça va s'afficher pour plusieurs régions du continent. Ça peut prendre longtemps et être rapide, ça dépendra de la vitesse d'Internet. Pour moi, ce n'est pas aussi rapide que je vais. Disons, si je prends par exemple l'exemple de Madagascar, vous voyez que ça affiche à les zones cultivées, mais aussi on peut aller et voir la probabilité de culture et que ça va s'afficher les zones qui ont les zones en jaune ont une très grande probabilité d'être des zones cultivées, comme vous le voyez, et même en voyant à l'ONU, vous voyez que ces zones sont des zones cultivées. Vous voyez, sont des zones avec agriculture irriguée, même à travers la carte en arrière-plan. Alors, on peut aussi aller, et on a le service de COSEN dont je vous parlais auparavant, et ce service. Alors, si j'affiche tout le continent, ce service couvre tout le continent. Et disons, et si on va peut-être aller ici, dans la région de Maghreb, sur les côtes de Benghazi, par exemple, vous voyez que on a des statistiques, c'est érosion ou accrétion, ça s'affiche. Alors, si vous continuez à zoomer, vous voyez qu'on va voir ligne par ligne, année par année, et ça montre la dynamique des traits de côte au fur des années.
Et ça aussi, je peux faire, je peux même partager le lien dans le chat. Dès que vous cliquez là-dessus, interactivement, vous pouvez aller vers la région sur laquelle je travaille. Alors, on peut continuer à explorer données par données, mais le plus important, on peut aller sur des images satellitaires, c'est-à-dire qu'on a des images individuelles ou bien des géomètres annuels. Alors, ce qu'on peut faire, si on a la fréquence journalière, par exemple, on a plusieurs images, les images individuelles, centennelles, et Landsat de 5 à 9. Disons, on va essayer les images centennelles. Par exemple, si on essaie de travailler sur à la ville, à la ville de Diamidio du Sénégal, par exemple. Si on travaille sur cette ville, c'est une ville qui s'expand très rapidement au Sénégal. On peut voir les images, les images centennelles. On peut faire un filtre et voir les images existantes. Par exemple, voir quelle image du 20 juillet 2024 est très nuageuse. Alors, le tournant, on peut peut-être vers 2018. Disons, vers le mois de janvier 2018, on va voir l'image du 3 janvier, par exemple. C'est aussi plus nuageuse. On peut défiler en utilisant la flèche. Vous voyez que, par exemple, l'image à 18 janvier est moins nuageuse. Alors, on peut comparer, on peut faire une comparaison avec peut-être l'image du image, disons, et à du disons, allons à l'année vers l'année 2024, par exemple. Disons, on peut changer l'année. Disons, ça c'était le 28 janvier 2018. On peut continuer de défiler. Vous voyez, ce genre de date, disons, on est en 2019, on peut défiler peut-être, disons, on arrive peut-être en janvier 2020. Voilà. Disons, on reste avec l'image de 28 janvier 2020. Alors, vous voyez qu'entre des années, vous voyez que ici, cette région a été très dynamique. Cette région ici a été habitée, comparée à l'année précédente. Alors, ici, on peut aussi partager le lien dans le chat pour que vous puissiez interpréter les résultats à vous-même. Pardon. On peut partager les résultats dans le chat. Vous pouvez interpréter le lien à vous-même. Alors, ici, je vous parlais de suivi des eaux continentales. Je vous ai parlé du produit d'observation des eaux depuis l'espace. Alors, quand j'affiche ce produit, on peut peut-être essayer de voir un cours d'eau, peut-être dans une région donnée. Vous voyez, prenons l'exemple du lac Tanganyika ici, entre le Burundi, le Congo, la Tanzanie, jusqu'ici en bas, avec la Zambie. Alors, ce produit, on a ce produit, ce produit water bodies qui montre
les contours, les polygones de chaque cours d'eau sur le continent africain qui a été récemment lancé par l'équipe de Africa. Alors, je peux superposer à ce qu'on appelle à l'eau de surface. Alors, je peux ajouter cette couche. Alors, comme vous le voyez, ici, à cette couche consiste bien avec le polygone qui a été généré. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le polygone ou pas, ça dépendra de votre volonté. Tout ça contribue au suivi des eaux au cours des années et on peut faire des textures de changement, comparaison et ainsi de suite. Pour terminer, on peut aussi suivre la végétation, la végétation sur le continent, par exemple. Disons, si on va suivre la végétation mangrove, disons, si on va aller sur les côtes du Gabon, ici à Libreville, par exemple, on va voir des zones couvertes de végétation mangrove vont s'afficher. Alors, à travers notre plateforme, on peut comprendre la dynamique de végétation mangrove sur tout le continent. Et bien sûr, comme vous le voyez, en utilisant aussi nos données, disons, et les fréquences de surface, en utilisant nos géomètres annuels, disons, de Sentinel, vous voyez, c'est un produit mosaïque, sans noir, qui couvre tout le continent. On peut choisir, par exemple, une liste de végétation par différence normalisée. Et cela va nous montrer que la zone mangrove va afficher, semble être plus verte, alors que les zones aquatiques sont présentes en couleur noire. Alors, on peut faire plusieurs analyses à travers cette plateforme et ça dépendra des capacités ou bien des exploitations qu'on fait. Alors, si je retourne à notre présentation PowerPoint, je disais que à travers ce de D-Africa, on peut faire plusieurs explorations. Ce sont des observations que j'ai déjà réalisées. Ici, on utilisait l'outil d'observation des plans d'eau qui génère des polygones au cours des années et qui a été combiné avec des observations de à partir de l'espace. Ça montre l'évolution de ce lac au bloc SAT. Et ça, c'est l'exemple du lac Balingo au Kenya. On essaie toujours de comprendre la dynamique des eaux et au cours des années. Alors, je vois à Mohamed qui a dit si on peut mesurer la distance de recul de trait de côte et cœur marge de l'aile de mesure, bien sûr, on peut mesurer le cœur de trait de côte et si l'océan a envahi la Terre, on dit qu'il y a l'érosion côtière. Alors, si l'océan a reculé, on dit qu'il y a une accrétion. Et on peut mesurer le recul ou l'érosion accrétion à mètre. Et la marge de l'aile, comme on a utilisé les images Landsat, 30 mètres de résolution, en général, la marge de l'aile était de à 5 du pixel de l'image Sentinel. Non, Landsat. C'est-à-dire que le mariage était en général, c'était à peu près, je dirais, de 7 mètres sur tout le continent en général. C'est-à-dire qu'il y a eu, où on a eu une image de l'air de 1 cinquième, à l'autre, on a une image de l'air de 2 cinquièmes. Mais en général, ça a été 2/5 du pixel de l'image Landsat. Merci beaucoup, Mohamed, pour que j'ai répondu à votre question.
Et je continue avec ça, c'est l'exemple aussi de ces des eaux à partir à de l'espace qui montre comment ces lacs se comportaient au cours des années. Ça aussi, à l'exemple du lac Bagoria et qui montre comment le lac a évolué au cours du temps. Ça montre l'activité aussi du lac à Turkana au cours des années. Ici, on avait utilisé les images Sentinel 1 pour voir les effets d'inondation dans le réservoir de Massinga au Kenya. Vous voyez que les zones en rouge sont touchées par les inondations telles que Kabutiré. C'était le récemment Kabutiré, c'est parce que c'est le 1er juin à 2024. Si bien sûr on essaie de comparer à la période initiale du mars d'avril de mars avril 2024. On peut aussi suivre le plan d'eau, comme je vous le disais auparavant. Si je retourne avec le service de plan d'eau, ce service qu'on appelle Water Bodies. Alors, si je l'affiche, si on se lance vers un lac donné, je vais vous proposer un exemple. Prenons un lac qui est connu. J'avais pris l'exemple du lac, disons, si on prend l'exemple du lac Malawi, si vous cliquez sur un plan d'eau, ça va s'afficher le type de données. Quand vous dites développer, ça va automatiquement générer, pas de chat, ça va, parce que c'est un grand lac. Prenons un tout petit plan d'eau, par exemple, comme ce lac Kaliba. Alors, si on dit développer, pas de chat, c'est parce que c'est pas assez rapide. Prenons peut-être et ce lac-ci à Moelou. Si on clique là-dessus, on dit développer. Voilà, ça va générer un graphique. Et ce graphique va montrer les surfaces humides à mètres carrés au cours des années. On peut zoomer et voir année par année, zoomer ou dézoomer et voir comment ce lac a évolué à partir de l'année 90 jusqu'à nos jours. Et ça va nous informer cette dynamique des eaux. Et enfin, on peut exporter les polygones déjà générés. Je partage aussi le lien dans le chat pour que vous puissiez les explorer. Voilà, je tourne toujours à la présentation. Ici aussi, on a ce qu'on appelle la Sandbox d'Africa qui nous permet de faire plusieurs statistiques. Et c'est une interface très facile à manier. Je partage le lien immédiatement. Ça nous permet, vous devez toujours avoir un compte Sandbox et je vous partage le lien pour que vous puissiez créer un compte vous-même. Alors, si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir accès à la sandbox. Dès que vous ouvrez la sandbox,
On vous demandera si vous pouvez vous loguer, si vous avez déjà un compte, ou bien si vous voulez créer un compte, ce qu'on appelle CNAP. On vous proposera là où mettre vos détails, surtout le nom d'utilisateur, votre email et proposer un mot de passe. Et un code de confirmation vous sera envoyé à travers votre email. Dès que vous entrez là-dedans, vous verrez des fichiers groupés par thématique. Vous aurez des codes pour les débutants. Vous aurez l'ensemble des données, c'est-à-dire des datasets. Vous aurez des codes fréquemment utilisés, d'exemples de la vie courante et des cas d'application. Et chaque catégorie groupe des notebooks basés sur Coda et Python qui sont déjà appropriés. Ce sont les étapes pour créer un compte Sandbox. Je vais vous partager la présentation et ainsi chacun pourra créer son compte. Votre compte est reste protégé. Personne ne peut entrer dans le compte de l'autre. Alors, dès que vous entrez, vous aurez ces fichiers groupés, comme je vous disais. Ça, c'est le code pour les débutants, les données, l'ensemble des données, les codes fréquemment utilisés, les exemples de la vie courante, les ODD et les données supplémentaires, les outils et les cas d'application. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on peut faire à travers la sandbox. On a des tutoriels qui nous montre comment exploiter les données accessibles et accessibles à travers la sandbox. Et ainsi, si j'essaie d'ouvrir la sandbox, dès que vous ouvrez la sandbox, vous trouverez une interface pareille et il y aurait d'autres fichiers. Vous trouverez des fichiers pour le débutant, Beginner's Guide, qui vous introduit au Coda et Python pour l'analyse spatiale. Alors, vous aurez aussi d'autres fichiers qu'on appelle dataset qui vous montrent les données que nous avons. Par exemple, si j'essaie de vous montrer les données d'observation des eaux à peu d'espace, les données WOFS, si j'ouvre ces données, on vous décrit toutes les étapes qu'on a suivies pour produire ces données, comment on a, que c'est ce qu'on a déjà utilisé. Et enfin, on vous prend à travers comment on a tout calibré, comment on peut créer des cartes, comment créer des animations, et ainsi de suite. Par exemple, si on va parler, par exemple, des empreintes de population sur le continent africain, par exemple. Ça nous montre et ce sont des données tirées des autres utilisateurs qui ont été développées par, surtout, l'initiative du développement économique des Nations Unies. Alors, à travers ces données, on vous montre comment ils ont été développés, les étapes et comment charger les données. Choisir votre région d'études, c'est-à-dire spécifier les coordonnées géographiques ou bien charger à la limite de votre zone d'études. Et par après, vous allez voir la dynamique des populations comparée par année, si on a comparé 2015 et 2019. Et enfin, on peut faire des statistiques. Voir quel a été le taux de changement. Parce que, par exemple, ici, on est passé de 304 km² vers 360, à peu près 57 km², c'est une période de 4 ans. Alors, c'est que la dynamique est très rapide. Dans notre région, on peut produit une carte qui montre les changements. Vous voyez que les zones de périphérie des villes tendent à s'expandre vers la périphérie et ainsi de suite. Alors,
Si on va aller dans le fichier, on a aussi des fichiers d'étacettes, on a aussi des fichiers de code de fréquemment utilisés qui montrent comment extraire des contours, comment générer des animations, et ainsi de suite. Le plus important, on a des exemples de la vie courante, les old examples, qui nous montrent comment surveiller différents phénomènes sur le continent à partir de l'agriculture, pour ce qui est alimentaire, de végétation, et ainsi de suite. Ici, je vais prendre par l'exemple, disons, d'agriculture, de santé, d'écriture. On a l'exemple CropRef. Par exemple, ça nous permet de suivre la santé des cultures vers une région donnée. On lance notre code. Tout a été spécifié. Il faudra changer notre zone d'étude et l'année d'étude. Voilà. Et vous voyez que quand on lance, ça peut prendre longtemps ou être très rapide. Ça dépendra de la connexion Internet. Le code est en train de charger des données. Enfin, on pourra générer des polygones qui comparent les signatures spectrales de chaque parcelle de même champ ou bien des champs d'une même région. Mon temps n'est pas assez rapide. Je retourne à la présentation. Alors, on peut aussi utiliser, accéder à notre lien GitHub à travers lequel on peut avoir accès à tous les codes utilisés, le même code qu'on trouve dans la sandbox peut être accessible à travers le lien GitHub de Diafrica que je vais vous partager dans le chat maintenant. Je partage le même lien dans le chat. Alors, le plus important en est que nous essayons d'aligner ce que nous faisons avec des ODD parce que on a beaucoup de notebooks qui nous permettent de contribuer au suivi des cultures pour sécurité alimentaire. On a un notebook qui nous permet de mesurer le centre des cultures, un notebook qui nous permet de cartographier les étendues et les anomalies des cultures, les phénomènes des cultures sur le continent, avec les étapes bien décrites et bien sûr, et les données qu'on utilise. Et enfin, chaque ODD auquel nous contribuons. Par exemple, comme je vous le disais, on peut suivre la santé des cultures. Auparavant, j'avais lancé l'application. Vous voyez que à l'intérieur de ce carré, nous pouvons dessiner des polygones qui nous permettent de comparer à plusieurs parcelles de ce champ. Par exemple, vous voyez que la signature spectrale se dessine à côté. On peut aussi passer, comparer plusieurs champs. Disons, on peut comparer à 3 ou 4, même plus. Pardon. Voilà. Voilà, l'autre signature spectrale. On peut aussi comparer avec l'autre champ ici. Voilà, vous voyez que les signatures spectrales vont dans le même sens, mais vous voyez que ce champ ici en vert commence à diverger. Ici, l'idée n'était que si les conditions agricoles étaient les mêmes, on devrait avoir les mêmes tendances de signatures spectrales. Ainsi, ça peut nous permettre d'informer les agronomes sur le terrain, d'aller essayer de vérifier ce qui se passe dans les champs. Alors, ici aussi, on peut essayer de suivre, de prédire
l'état de végétation en utilisant une variante des modèles à moyenne mobile autorégressif. Et voilà, on développe un modèle et puis on valide. Vous voyez ce qu'on a trouvé en utilisant les données d'observation de la Terre, elle ressemble plus ou moins à ce qu'on a trouvé par une donnée de terrain. On peut aussi produire des statistiques liées à la phénologie des plantes, montrer la carte, mais aussi comparer avec la dynamique des paramètres climatiques, surtout à la pluviosité de la région, pour informer, bien sûr, la gestion des plantes d'une région donnée. Bien sûr, on peut essayer de voir les anomalies de précipitations au cours des années et bien sûr les combiner avec les changements de la couverture et l'utilisation des terres d'une région donnée. Bien sûr, on peut aussi suivre l'évolution endémique des eaux et les risques qui sont les risques d'inondation. On a plusieurs notebooks qui sont disponibles. Ici, je retourne dans la sandbox. Ici, on a des façons. On peut suivre l'étendue des eaux en utilisant les données Sentinel-1, ou bien on peut suivre l'évolution des eaux en utilisant des données d'observation des eaux à partir de l'espace. Ici, si on utilise ces données, on peut suivre les eaux d'un plan d'eau et générer une série temporelle en utilisant des indices d'eau par différence normalisés. Et enfin, on peut créer des animations qui montrent comment l'eau a évolué au cours du temps et créer et le graphique qui montre l'évolution temporelle et de l'étendue de ce plan d'eau au cours des années. On peut comparer des années, l'année minimum où le lac ou le plan d'eau a eu une très petite surface a été très réduite à comparer et à l'année où l'étendue le lac s'est expandu. On peut aussi créer une carte de détection de changement là où il y a eu constamment de l'eau, la disparition, apparition de l'eau, la disparition de l'eau. Apparemment, notre lac a été et s'est expandu entre 2019 et 2021, c'est-à-dire que bien sûr, il y aurait eu des risques d'inondation. Ça, ces données ne montrent pas la saisonnalité, c'est pourquoi on peut aussi, en utilisant les données Sentinel-1, ça peut, c'est la même approche, mais ça montre la saisonnalité. Parce que si on affiche la série temporelle, vous voyez que ça montre saison A, et ça montre trimestre, pas quatre trimestres. Alors le premier trimestre commence de décembre vers mars, de mars vers le mois de mai, de juin jusqu'au mois d'août. Et du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. En comparant notre lac, par exemple, vous voyez que si on va en général, l'année 2019-2020 a été réalisée par une plus grande couverture d'eau comparée aux autres années. Et ça, il faut dire, on peut aussi passer à l'animation qui montre l'idée de saison et ainsi de suite. Alors, pour me résumer, on a plusieurs applications de suivi des eaux à partir de l'espace. Ça, c'est l'exemple du lac Seaway. Ça, c'est l'exemple, ça montre les statistiques au cours du temps. Même chose, si on utilise nos données d'observation des plans d'eau, on a aussi ce qu'on appelle l'outil Wet Insight Tool, qui nous permet de suivre la dynamique des zones humides, les zones qui sont restées aquatiques,
les zones qui en fait de végétation et ainsi de suite. Ici, c'est notre cas d'application avec le centre africain nigérien qui montre les inondations de rivière Lokoja et les effets sur les zones cultivées et les zones bâties. Il y a les zones qui sont sévèrement affectées et les zones moyennement affectées et les zones non affectées. Et cela nous permet d'informer la gestion des cultures et de construction ou d'agglomération dans notre région. Bien sûr, suivi de mangroves, érosion côtière, comme je vous le disais, je vous ai montré quelques exemples, et ça nous permet d'informer la gestion des écosystèmes et infrastructures et côtières. Ça, c'est l'exemple de la dynamique de végétation mangrove qui nous montre les cartes du chemin de changement, des statistiques, et bien sûr, et ça montre que en moyenne, il n'y a pas eu grand changement dans la végétation mangrove dans notre région. Ça, c'est l'érosion côtière. On a un notebook qui est là, qui nous permet de suivre si il y a érosion ou accrétion, et ça nous permet d'afficher près de côte année par année. Bien sûr, c'est aussi l'exemple de côte de Mozambique. En végétation, on peut suivre la végétation, phénologie surtout, ou bien centre de végétation au cours des années. Ça, c'est utiliser les données optiques, utiliser indice individu. Ça, c'est utiliser les données radar qui permet de pénétrer les nuages, c'est dans les régions à tropicales. Et ces données radar montrent et s'il y a en comparant des années, vous voyez que les courbes sont presque les mêmes, c'est-à-dire que les mêmes années, les végétations n'ont pas connu plus d'anomalies dans la région. Ah, bien sûr, on a la cartographie des zones brûlées et la couverture fractionnée qui nous permet aussi de suivre la dynamique des végétations et bien sûr les effets des activités anthropogéniques et les phénomènes naturels si la végétation du continent ou bien les effets du climat sur la verdure ou la dynamique de la végétation sur le continent africain. Ça, c'est l'exemple de cartographie des zones brûlées en utilisant l'apport de brûlées à fraction supérieure. Alors, on peut comparer l'image avant et l'image après incendie et on peut faire le delta pour voir quelles sont les zones qui ont été les plus affectées par les feux de brousse sur le continent. Et enfin, on peut masquer et seulement les zones brûlées pour plus de statistiques afin d'informer les décisions de gestion de la végétation. Ça, c'est la couverture fractionnée qui nous permet de suivre la dynamique végétale, les jeux donnés et en comparant plusieurs mois ou saisons. L'urbanisation, on peut voir les changements, les dynamiques urbaines, les zones, comment les vestiges prennent au cours du temps. Et bien sûr, en utilisant ou bien les indices d'urbanisation, ou bien utilisant seulement la détection basée sur les analyses des images aux vraies couleurs. Alors, ça, c'est l'exemple. D'expansion de la ville de Nairobi au Kenya. Alors, ici, vous voyez que la dynamique n'est pas assez grande parce qu'on est passé de 670,6 km² à 590 km², mais c'est en cours de 4 ans, c'est-à-dire à peu près 20 km². Et vous voyez que l'expansion se fait toujours vers le nord, vers les périphéries.
Ah, bien sûr, ça c'est le cas d'Addis Abeba en Éthiopie. On essaie de voir déjà des emplois de population mondiale. On voit que comment la ville s'est expandue au cours du temps de 85 à nos jours. Ça, c'est aussi l'exemple de Dakar qui montre, on essaie de voir un TISA à l'indice de constitution et l'indice de surface imperméable, voir comment aussi la ville s'est expandue au cours du temps et essayer de varder avec des statistiques qui sont liées. On a aussi des sujets divers, on peut traiter la ville, classifier des couvertures de terre, bien sûr. S'il y avait des mines, par exemple, ça c'est le suivi d'un navire qui peut comparer des dates. Avant le 21 mars, il n'y avait pas assez de navires. Après, on n'a plus de navires, on peut produire une carte qui montre l'augmentation de navires. Cet exemple du canal de Suez en Égypte. Bien sûr, la couverture des terres, qui seront le classement GIEC, on peut voir les classifications au cours des années et produire des statistiques par chaque classe d'occupation de couverture de terres pour informer la gestion durable des terres. La dégradation des terres, ça permet de comprendre la dynamique des terres sur le continent, et on avait déjà développé un cours en ligne qui permet de suivre cette terre au cours du temps. Ah, bien sûr, avant je tourne sur les questions, on avait question de Boa qui disait, est-ce que vous pouvez partager avec une autre présentation et mes devances pour tes informations riches qui montrent qu'il y a un très grand effort derrière. Merci beaucoup, et Hossein. En tout cas, je dois partager à la présentation dans le chat dès que je termine. Alors, Tito, peux-tu installer la bibliothèque Python? Autre que c'est disponible déjà dans la sandbox, les images disponibles sont à jour. Les jeux les plus récents, par exemple. Merci beaucoup, Tito. Bien sûr, vous pouvez développer votre notebook à part ce que nous avons dans la sandbox. Alors, pour ce qui est d'actualisation de nos données, ça dépend. Dès qu'une image est Sentinel-Landsat est livrée par les fournisseurs de données, c'est déjà traité et gardé dans notre base de données. Mais pour des géomades, ça dépendra. On a des mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. C'est-à-dire que si c'est annuel, on va avoir les géomades de chaque année, de l'année précédente, toujours vers le mois de février. Et l'actualisation des groupes masques qu'on pensait à les faire 5 années après. Et toujours, ça dépendra de chaque service et donné ou outil. Bien sûr, en continuant, on a déjà la formation à l'I, en français et en anglais. On a plusieurs cours, surtout à l'introduction, qui montrent généralement comment jouer avec nos données. On a des cours spécifiques. Et, par exemple, on a un cours sur la sécurité alimentaire, on a un cours sur l'urbanisation et sur le suivi du littoral, un cours sur l'océan, un cours sur la dégradation des terres, un cours sur la dégradation des terres, comme je disais, et ainsi de suite. Bien sûr, vous restez connecté avec l'Africa à travers notre site web, notre plateforme d'assistance en ligne. On a toujours des discussions, échanges chaque mercredi à travers notre session live. C'est question de vous loguer, on discute, vous pouvez présenter, contribuer, échanger et poser des questions même. Et bien sûr, et nous vous remercions. Et toujours, on voudrait entendre et avoir vos commentaires. Si vous pouvez scanner ce code
Vous aurez accès à un questionnaire à travers lequel vous pouvez nous envoyer votre feedback. Merci beaucoup.